Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de House Flipper 2. Alors, aujourd'hui, on va tester le fameux jeu House Flipper 2 qui n'est toujours pas sorti. C'est la version démo que je teste actuellement. On va voir tout ce qui a pu changer. J'ai vu notamment dans les vidéos qu'il y a eu énormément de changements. Pourra construire au niveau de la peinture, ça a changé. On peut appliquer des fenêtres qu'avant on ne pouvait pas. On a beaucoup plus d'outils en main. On va découvrir ça ensemble. Je vais faire une nouvelle partie. Alors, je ne pense pas, comme c'est une démo, je ne pense pas qu'on puisse acheter et vendre des maisons. Donc, on doit avoir une seule maison dans le cas. Du coup, ils nous disent qu'on est sur le point de jouer sur la démo. Suivez la liste des quêtes pour transformer un taudis en ruine en magnifique maison. Une fois les quêtes terminées, vous pouvez continuer à jouer et ajouter votre touche personnelle. Ah, ça c'est pas mal. Ah oui, mais dans la maison actuelle, du coup. Cherchez les livres disséminés dans la maison, ils vous expliqueront comment utiliser les outils. Bonne rénovation. Bon, ça, je pense que les livres, ça doit être pour tous les nouveaux joueurs de House Flipper 2. Parce que pour ceux qui jouaient sur House Flipper 1, j'imagine que les trucs doivent être à peu près la même chose. Ah, on peut pas décrocher le téléphone. Is there a problem with the reception on the island? I guess I have to leave a message. Message. Hello, salut, très cher ami. Tu dois te demander où est, comment tu es arrivé ici. T'inquiète pas, je vais t'expliquer. Tu m'as dit que tu voulais t'essayer à la rénovation. Je me trompe. J'ai trouvé la maison parfaite pour ça. Et pour ne pas perdre de temps, je me suis permis d'organiser ta venue et tout le reste. De rien. Plus qu'à mettre au travail. Enfin bref, je peux même pas raccrocher, mais bon. Et bonne rénovation, merci. Bon, du coup, on a la fameuse. Ah ouais, la fameuse tablette, on l'a plus, du coup. À moins que ça viendra dans le jeu plus tard. On a le magasin, ok. Ah, et maintenant, ils nous ont enlevé complètement de la tablette. Et nous ont ajouté un autre menu autre que la tablette. On commence avec 15 000 euros. Enfin, dollars. On peut acheter. Ah ouais, il y a beaucoup plus d'objets de décoration. L'installation. Il n'y a pas autant que ça, mais bon. Il y a de nouveaux trucs. Il y a pas mal de changements au niveau des lits. Ah oui, on a plus de. Plus de détails, enfin plus de choix, et j'imagine qu'on peut changer la couleur de celle-ci, etc. Même pas. Non. Ok, non, on peut pas. Meuble de cuisine, après on a l'extérieur, accessoires pour plantes. On peut mettre des pots qu'avant, je pense pas qu'on pouvait mettre des pots. La construction, ah ouais, ok. Échafaudier et des échafaudages et tout pour nous aider. Porte. Je pense pas qu'avant on pouvait mettre des portes de garage. Porte un garage était déjà de base. Finition de surface. Alors, on a plus. Plusieurs. J'ai vu aussi qu'on pouvait faire notre propre surface, si je me trompe pas. Les fenêtres, ok, pas mal. Des baies vitrées, on en a pas par contre. Si, ah, quoique, en 1m40, ok, tac, ok, ok. Bon, il y a pas mal de trucs. Ah, ça c'est par catégorie, ok. Bon, on va à Noké, du coup. Je sais qu'il y a des salissures à nettoyer, des déchets et vendre des trucs. Alors ça c'est pour le jardin notamment, et on aura des panneaux en bois élégant bois froid. Alors,
coup, avec notre fameux clic droit, qu'on ouvre le petit menu, outil de flipper, du coup. Nettoyage, il a changé. L'aspirateur. L'aspirateur qui a changé de logo. Avant, c'était un aspirateur, je pense. Construction, domotique, car on n'en avait pas. Finition, peinture, épilement. Ah oui, okay. Ça a bugué. Outil de flipper, du coup. On va commencer par vendre tout ce qu'il y a à vendre. Tac, les planches là, non. Par contre, ça, les palettes. On va virer tout le maximum qu'on peut. Ça, non. Le bois. Alors, non, ça. Alors, tout ce qui est en vert, c'est tout ce qu'il y a à virer, du coup. Là, je viens d'en virer 16 sur 72. Ça, on peut pas. On peut pas. On peut pas. Ok, il y a des, y a beaucoup de trucs qu'on peut pas. Même si ça gêne. Ah, tu vois, cette trompe d'arbre, je l'aurais viré. Les cailloux, remarque. Il y a un peu de déco à faire aussi. Il y a des trucs qu'on doit garder quand même. Et du coup, avec la vente de tous ces objets, bah, on va gagner un peu d'argent. Ça va nous permettre d'avoir un peu plus de choix. Un peu plus d'argent pour pouvoir décorer l'intérieur, même si je pense que la démo est déjà prévue pour. Alors, les échafaudages. Je sais pas si elles vont pas nous être utiles pour peindre la maison. Le sac de ciment, je sais pas si vraiment c'est de la déco, pas du tout. Ça c'est, ah, remarque, ça c'est à la poubelle. Et c'est tout? Non, il y a ça, ça là-haut. Là-bas il y en a un autre. Et apparemment, il nous reste un keep out. Il nous reste un keep out. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Non. Non, ça c'est notre bateau par. Ah, il est là. Peut-être bien. Voilà. Et du coup, avec ça, on en a fini. Maintenant, au niveau des déchets. Je sais. Tac. Tout ça. Ok. Du coup, ok. Niveau des déchets, là il y en a. Ça, non. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Je suppose qu'il n'y en a pas d'autres. Non. Bon, ok. On a tout viré les déchets. Et pour les sacs, du coup, faut les mettre là-dedans. Voilà. Tac, ça, on. Je suppose que ça ne gêne pas. Du coup, on va nettoyer tout l'extérieur hein, d'abord. Comme ça, ce sera fait. Ça c'est à vendre, à vendre. Ça on peut pas, les fameux livres qui nous disent quoi faire. Du coup ça, on va les virer à la poubelle. Et du coup bah, tant qu'on n'a pas fini l'extérieur, il nous mettra tout le temps un point jaune. Si on vient ici dans le balcon, il va nous mettre un point jaune là-bas, enfin un point d'interrogation jaune. Du coup, ils nous disent qu'il y a des salissures, des carreaux à poser. Les carreaux à poser, je ne vois pas où est-ce qu'ils seront à poser. Faut qu'on cherche à peut-être là. À voir. On va commencer par nettoyer du coup.
pour nettoyer, c'est plus fun qu'avant, je trouve. Avec le petit chiffon. Tac, on fait un peu le tour de la maison. Là. Ah. Ouais, on a un roi. Il n'y a pas besoin d'échafaudage pour nettoyer l'eau. Même si c'est un peu pas cohérent du tout. Bon, ok. Nouveau salissure, c'est bon. Du coup, les carreaux, on va du coup faire ça. Alors, on peut sélectionner. Et après, si on appuie... comment je veux dire? Si on appuie longtemps sur clic gauche, on peut faire du coup ça. Ça, c'est juste hyper fun. C'est beaucoup plus réaliste, j'ai envie de dire, qu'avant. Du coup, les fameux carreaux... J'imagine qu'ils vont là. Oula, ça bug. Hop. Ah oui, on peut les mettre par 3. Ok. On peut les mettre par 1, par 2. Hop, on peut les mettre comme ça aussi. On les met par 3. Hop. Là. Tac. Tac et tac. Voilà. Du coup, là aussi. Mince. On va reprendre notre petit outil. Ça et non pas avec hop. Ça sert à rien de sélectionner, je le fais directement. Ah, on peut pas. Si, ah si, on peut. Par contre, il faut rester appuyé. Ensuite, on remet nos fameux carreaux. Je sais pas pourquoi ça. On a les trucs qui bug à l'arrière. Voilà. Du coup, pour ce côté. On va dire que c'est bon. On va aller de l'autre côté. Tac. Ah, on attend la limite. Ouais, on a une limite. On peut pas y aller au-delà de ça. Bon, après, là, la limite. La limite, elle est pile poil au bout. Tac, tac et tac. Voilà. Du coup, l'extérieur, c'est fini. Et on a 16 315 $. Je vois pas pourquoi c'est pas fini à 100%. Alors, on a pratiquement les 3 étoiles, alors que tout est fait à 100%, à moins qu'il y ait quelques petits trucs à voir, éventuellement ranger les livres, ranger des trucs comme ça. On va pas se mettre là, on va aller là dans cette fameuse pièce, on va aller ranger du coup tout ce qu'il y a, enfin vendre tout ce qu'il y a à virer du coup, nettoyer. La manière de nettoyer qui a changé, la manière du coup de mettre la colle dans les murs pour coller le plâtre, enfin le plâtre, les carreaux, même si là dans le cas c'est du bois. Tout ça, ça a changé. Au niveau de la peinture, je sais aussi que c'est à peu près la même manière. Alors comment on fait pour nettoyer les fenêtres? Ah oui, on peut plus. What? Ah ouais. Bon. Ok, depuis l'intérieur, possiblement, puisque depuis l'extérieur, on ne peut pas. Du coup, on va faire ça aussi. Ah, il y a une plaque de bois encore que j'ai oublié de virer. On va la virer tout de suite. Voilà. Et du coup, on va mettre notre fameux... C'est quoi que ça s'appelle? Panneau en bois élégant. Du coup, nos fameux carreaux de bois. Tac. 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 Et tac. Voilà. Donc, pour cette partie... C'est fini également, même si on est à
Ah, ça change. Ah non. En fait, les étoiles, je pense que c'est pas par rapport à uniquement l'extérieur, c'est par rapport à tout l'ensemble. Après, on passe à l'intérieur. Bon, on va pas trop faire une vidéo trop longue. On va faire le nettoyage de tout ce qu'il y a à vendre. Tac, ça c'est poubelle. C'est à vendre. Le salon, le bordel qu'il y a dans le salon. On va tout vendre. Cadre. Tac. On va faire le plus beau endroit de cet endroit qui est quand même en plein milieu de l'eau. Une petite île. Oh, les radiateurs, comment ils sont un peu dégueulasses quand même. Le canapé, un autre canapé, une cagette, un petit meuble, une radio. Tac. Oh là là, l'horloge, le regardez quand même. Mais bon, après on pourra réacheter si on veut. Sinon on achète une autre, une plus récente. Même si garder un peu des trucs d'époque, ce serait vraiment pas mal aussi. Le frigo comme il est dégueulasse. Il y en a des trucs. Déjà, la maison, elle est beaucoup plus propre comme ça. Un tapis, il y a des trucs à vendre. Encore. Ah non, le radiateur, non. La fenêtre, il faudra les nettoyer. Tac. Là, ça, tout ça, ça va à la poubelle. Ah, ça se vend, le journal. Non, ok, c'était en rouge. Ça c'est poubelle. Tout le reste c'est poubelle. Ça là-dedans. Bon, là-dedans. Oula. Ah, parce qu'il y a les déchets. Ok. Les déchets, on va tout de suite. Les mettre à la poubelle, comme ça sera fait. Comme ça la maison sera beaucoup plus propre. Tac. Ah, c'est un interrupteur. Ah, le rouleau que j'avais pas vu tout à l'heure. Ça, c'est faut le vendre. Du coup, pour les trucs, on va les balancer par la fenêtre si on arrive. Oula. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas par la fenêtre, ça va par la porte. J'aurais bien aimé le mettre dedans. Essayer. Oh, trop loin. Bon, en même temps, c'est difficile. Mettre un sac. À la poubelle. Oh. Ah, ça, c'était beau. C'était beau, n'empêche. Bon, tous les boucs, je sais pas où est-ce que je vais les mettre. Parce que les boucs, c'est vrai qu'ils vont nous gêner. On va les mettre là. On peut les empiler, ça me va très bien. Je sais pas combien on va pouvoir les empiler, mais au moins on va pouvoir tous les mettre au même endroit. Ça va pas nous gêner parce que vraiment ils ont abusé. Ils en ont mis un dans chaque pièce. Alors c'est bien pour les nouveaux joueurs qui ne savent pas ou qui n'ont jamais joué à House Flipper, et du coup ben, ils prennent la main dessus. Alors maintenant pour moi, si je fais lire, par exemple il va me dire comment faire la peinture, appuyer sur tab, maintenir le contrôle gauche, pour peindre tout où vous voulez. Voilà, c'est des petits trucs que moi je sais déjà, donc pour les nouveaux c'est bien. Après, au lieu de mettre des boucs partout, ils auraient pu simplement mettre des boucs à l'entrée dès qu'on commence.
Comme ça, on lit. Ouais, on peut empiler pas mal de boucles les uns sur les autres. Bon, du coup, pour les fenêtres, on va enlever celui-là aussi. Comme ça, la maison sera beaucoup plus propre. Alors, pour tourner les trucs, c'est pareil, c'est avec la molette de la souris. Ça, ça n'a pas changé. Les trucs qu'il faut pas vendre, hein, je suppose. Du coup, après, on s'attardera sur tout ce qui est nettoyage de la maison. Hein. Je vais me concentrer sur tout ce qui est d'abord vendre tous les trucs qu'il y a à vendre. Et après, on verra pour le nettoyage de la maison dans une autre vidéo. Parce que sinon, la vidéo elle va être hyper longue. Elle va faire 1 heure. Tac. Ah oui, j'ai encore une petite pièce là. Ok. La lavanderie. Tac. Tac. Il y a quoi d'autre? Alors, sur cette pièce, on a rien à faire. Et tant mieux. Comme ça, elle est finie. Après, là-haut. Ah ouais. Ok, la maison, elle a quelques années, on va dire. Bien abandonnée. Pas été soignée. Il manque les fenêtres dans le mur. On les mettra après. Ah, ça, c'est du côté extérieur. Des câbles, on peut pas les vendre. On peut les jeter à la poubelle éventuellement. Pas mal de trucs. Hein. Ah bah c'est libre. Ah oui, parce que c'est de la déco. Du coup, on peut les vendre. Il y avait quelque chose encore en vert. Donc, le journal. Une commode, un armoire. Encore quelques journaux. Tac. Radiateur, un journal. Pot. Chiffon, cuvette et la baignoire à vendre, je suppose, puisque c'est quand même, on va pas se le cacher, sont dans un état dégueulasse. Tac. Alors, tout ce qui est vitres comme ça, je suppose que c'est des vitres, c'est avec l'aspirateur. Ah, ok, ça c'est avec le truc, on peut tout vendre. Les poissons, pas mal pour la déco. On aurait pu les garder, mais on est obligé de vendre. On est obligé de tout vendre pour après nettoyer la maison. Enfin, le jeu nous oblige à vendre. Hein. La démo nous oblige à tout vendre. Tac, ça sonnait pas. Ça c'est poubelle. Ça, je sais pas comment je vais faire pour les enlever. Ça, c'est pas du tout. Avant, on avait un tuyau d'arrosage qui nous permettait de nettoyer l'extérieur. Alors, maintenant, on n'en a pas. On peut pas les enlever comme ça. Ça, c'est uniquement pour les salissures. Au moins, ce sera fait. Tac. Pour l'aspirateur, du coup, tac, juste à prendre comme ça et aspirer les feuilles. Et l'intérieur, on peut aussi aspirer. Par contre, les fleurs, je me demande comment est-ce que je vais les enlever. Les petites feuilles là. Pour les vitres qui étaient là, il y a juste à aspirer comme ça aussi. Hein. Avant, on avait des. Sur House Flipper 1, on avait des bestioles au sol. Alors, ça aussi, c'est avec l'aspirateur. Des fois, ça fait mal aux yeux quand je bouge trop la souris. Si je bouge trop la souris dans tous les sens, ça fait un peu mal aux yeux. Du coup, dans les toilettes, j'ai ça, ça,
ça. J'ai rien d'autre. Ça c'est en bon état. Ah, ça. Et le truc. Ça. Ok. Du coup, là sur ce côté, on va dire que c'est bon. Là, on va le jeter à la poubelle là-bas. Alors, non. Les bouquins, on va les mettre à l'extérieur. Ouais, ok. On va les mettre là, on va les poser là. Puisque je suppose que là. Ouais, on. Vendre. Il nous dit de vendre. Il nous dit de les vendre. Sauf que pour les vendre, on peut pas. Ah si, tout à l'heure, je pouvais pas les vendre. Ah, peut-être qu'il fallait nettoyer tout d'abord. Alors il me dit de vendre un miroir que je ne. Ah, là derrière la porte. Bien caché. Marque ou ce livre, on va faire pareil, on va le mettre là dans le coin. Un autre là, on va le mettre pareil. Tac. Avec la molette de la souris pour tourner les objets. Et du coup, bah, on va se laisser là parce que sinon la vidéo elle va faire une demi-heure, à bientôt. On en est à 27 minutes. Donc on va se laisser là. Sur la prochaine vidéo, je ferai tout ce qui est nettoyage et tout ce qui est peinture, pose de fenêtre, etc. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour la suite de la vidéo. A plus.